Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans ce 100% du mardi, un 100% exceptionnel dans lequel nous allons retrouver le reportage chez... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a Julien Pirou! Non, Julien Pirou, c'est à la fin, excusez-moi. Oui, le reportage. Et donc, après le reportage, nous retrouverons le temps perdu. Et tout de suite après, à la fin, on aura Retro et Magic. Ah, Julien Pirou! Avec Julien Pirou, mais tout de suite, c'est les news! Le département Office Labs de Microsoft a sorti un add-on pour Office 2007 nommé Ribbon Hero. Il s'installe dans le fameux Ribbon, le menu du haut de l'écran, et permet de marquer des points, le tout en travaillant. Il propose même des puzzles. Changer le style, ajuster les marges, utiliser un modèle, et exporte les scores sur Facebook. Mine de rien, tout cela est basé sur des recherches très sérieuses, qui montrent qu'on apprend plus efficacement en s'amusant. On attend le super play de la productivité. Ubisoft vient d'annoncer la sortie cet été d'une version PSN et Xbox Live Arcade de Might & Magic Clash of Heroes. Disponible depuis le mois de janvier sur DS, ce jeu surprenant mêlé RPG, puzzle game et stratégie au tour par tour, tout en proposant un style graphique typé manga des plus déroutants pour la série. Toujours développé par le talentueux studio Capybara Games, ces versions HD proposeront une refonte graphique bien sûr, mais également des améliorations à la quête principale et aux batailles solo basées sur le feedback des joueurs DS. Et puis bien sûr, de 2 à 4 joueurs pourront s'affronter en ligne. En parallèle de la sortie de Chaos Rising, l'extension standalone de Warhammer 40 000 Dawn of War 2, THQ diffuse cette vidéo de lancement. L'occasion de découvrir de nouvelles images de cet add-on qui introduit notamment l'arrivée d'une nouvelle race, les Chaos, mais également d'unités et de maps supplémentaires. Chaos Rising est d'ores et déjà disponible depuis le 12 mars. To victory is to join us, brothers. De fort belles news qui n'ont heureusement pas été perturbées par le fan club des intermittents de Julien Pirou. Ce qui me fait penser d'ailleurs que tout de suite nous allons retrouver le reportage sur... Ah, Julien Pirou non, mademoiselle Julien Pirou, c'est à la fin. Maintenant c'est le reportage, alors on envoie le reportage. C'est en 1998, il y a 12 ans déjà, que le développeur Blizzard sortait StarCraft à son jeu de stratégie en temps réel de science-fiction. Trois races, des cinématiques, une jouabilité extrêmement précise et un multijoueur intense en ont fait un succès planétaire, avec 11 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. StarCraft représente aussi l'essor du pro-gaming, avec l'exemple de la Corée du Sud, où des chaînes de télévision sont dédiées aux commentaires de matchs. C'est en 2007, que Blizzard annonce qu'une suite est en préparation depuis 2003, et il y a quelques semaines, nous avons pu accéder au bêta-test multijoueur actuellement en cours de StarCraft 2, Wings of Liberty. Le jeu se déroule toujours avec les trois races du premier épisode, les Terrans, les humains du jeu, les Zergs, aliens glauques et organiques, et les Protoss, race ancienne et technologique. Hail, it's about time. La grande nouveauté, c'est le passage de la 2D à la 3D. Même si le gameplay reste similaire, ce renouveau visuel est très agréable. On accède au multijoueur via le nouveau Battle.net, l'interface de Blizzard pour le jeu en ligne. Tout a été rénové, et la mise en place d'un combat est simple et efficace. Ce nouveau Battle.net propose des statistiques privées et publiques, des classements, une liste d'amis, et pour le moment, pas moins de 7 ligues. Classées par niveau, les trois premières sont Or, Platine et Pro. Suivant ces résultats, le joueur montera ou descendra de ligue automatiquement. Lorsqu'on lance une partie, on note la très grande similitude avec le premier épisode. Pour Blizzard, on ne change pas une formule qui marche, on l'affine. On retrouve la même philosophie stratégique. Le joueur est très orienté sur le contrôle de la carte, l'expansionnisme et la capacité à produire de nouvelles unités en continu. Les unités disponibles ont subi un lifting, voire ont été remplacées. La différence notable semble être que les unités sont beaucoup plus spécialisées dans cet épisode. De ce fait, il faut vraiment privilégier la reconnaissance pour ne pas se faire prendre au dépourvu et préparer les contres les plus efficaces.
car on est toujours dans le pierre-papier-ciseau, chaque unité a ses forces et ses faiblesses, et il n'y a pas vraiment d'unité bonne partout. Chaque race développe très vite des moyens de contourner les meilleures défenses des bases adverses. Dépôt d'unités par transport aérien, déplacement souterrain, unités capables de franchir les falaises, une variété qui rend les parties toujours très intéressantes. On retrouve certaines des cartes les plus célèbres du jeu, avec le fameux Lost Temple par exemple, un peu remis au goût du jour. Des petites nouveautés sont présentes. Des pilotes permettent d'avoir une vue longue portée quand on place des unités à côté d'eux, par exemple. Certaines cartes proposent aussi des rochers qui barrent des chemins que l'on peut détruire pour avancer ou obtenir un accès par l'arrière à la base de l'adversaire. Des hautes herbes permettront même de camoufler des unités. On trouve toujours les ressources classiques, les minéraux et le gaz Vespen. Des gisements de minéraux jaunes ont fait leur apparition et indiquent des ressources en abondance. Outre les nouvelles unités et bâtiments, chaque race peut développer une capacité spéciale. Les Protoss peuvent accélérer une production de 100% ou bien une recherche de 50% pendant 20 secondes. Les Terrans peuvent augmenter le gain de minerai pendant quelques temps avec un ramasseur spécial, scanner la carte comme auparavant, ou bien augmenter la capacité d'un dépôt de ravitaillement. Les Ergs, grâce à la Reine, une nouvelle unité, peuvent augmenter la production de larves d'une couveuse, infester une partie de la carte de leur mucus, ou bien soigner un bâtiment. Au niveau de l'interface de combat, il est désormais possible de constituer des groupes de plus de 12 unités, ce qui est grandement appréciable. On peut toujours assigner plusieurs ordres successifs avec la touche Shift. Mais maintenant, un affichage visuel permet de voir le planning prévu d'une unité. Et enfin, après un combat, le jeu propose toutes sortes de statistiques ainsi qu'une analyse de la production de chaque joueur seconde par seconde et enregistre automatiquement un replay de chaque partie. Vous l'aurez compris, StarCraft 2 est plus une évolution qu'une révolution. Pour l'instant, le degré de finition est déjà impressionnant et laisse présager du meilleur pour la suite. I knew you'd find your way here. Eventually. Après cet excellent reportage, nous retrouvons sans plus attendre le temps perdu de Nicolas Robin. Ah, ben ça y est, le fan club, il est à la cafétéria. Alors là, plus personne hein, pour Nicolas Robin. Bravo, merci. Pauvre Nicolas. Bonjour, vous avez trop la patate, trop la frite, et c'est bientôt l'été, les plages et cocotiers. Alors vous voulez faire du sport. Mais donc, que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au perdu. Les animaux, c'est bien connu, c'est mignon. Du coup, les simulateurs de bestioles kawaii pullulent et s'installent un peu partout. Vous pensiez pouvoir y échapper sur la toile? Eh bien, c'est raté, puisqu'aujourd'hui, nous vous proposons au sein de notre belle émission, Duck Life. Dans Duck Life, vous devez éduquer un petit caneton tout choupinou pour sauver votre ferme. En effet, en faisant participer ce dernier à différentes courses, vous pourrez gagner de l'argent et ainsi l'entraîner davantage jusqu'à ce que votre entreprise puisse survivre. Mais bon, moi, tout ça, ça me déprime. Parce que qu'est-ce que vous croyez qu'il va en faire du canard une fois qu'il aura sauvé sa ferme? C'est comme dans Robot Wants Kitty. On contrôle ce petit robot tout moche, là. Alors c'est super, on avance, on évite des monstres, on récupère des items qui nous permettent de sauter, double sauter, tirer, etc. Du coup, on peut atteindre notre but ultime, attraper un chat. Bah oui. Le robot, il veut son chat pour lui, juste pour lui. Non mais sans rire, un robot, un chat. Moi, je vous le dis, ça va mal finir cette histoire d'amour. La dernière fois que j'ai entendu parler de la rencontre entre un matou et un mixeur... Non mais... Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je me sens un peu tout seul dans le vaste univers. Un peu comme un alien qui se serait crashé sur notre planète, plus si bleu que ça. Une sorte d'étranger à qui tout le monde voudrait du mal et que du coup, mes rares amis en subiraient les conséquences. Et puis entre les guerres, la fin dans le monde, la crise et les éviers bouchés. C'est pas la fête, hein, croyez-moi. Ouais, un peu comme dans Immortal. Je sais pas, c'est un peu glauque en ce moment sur la toile. Tout ça, ça me déprime grave. Prenez London, par exemple.
sous prétexte que ce point and click est super beau, intéressant tout ça, nous nous font une histoire à pleurer toutes les larmes de notre pauvre corps. Alors bon, oui, ça change, oui, le style graphique il est magnifique, oui, l'ambiance sonore est zoulias, ouais, mais moi je vous dis... Allez, vive la bonne humeur, à bas la morosité! Mais finalement, je joue, et je perds mon temps, ce qui... Dois-je vous le rappeler, tombe plutôt bien, car nous ne devons surtout pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus... Monde de merde. Et voici enfin le moment que nous attendons toutes... Ouais, bon ben là on va être tranquille pour un petit moment, mais c'est couillon, elle va le rater. Julia Pirou. Nous avions déjà évoqué les jeux Psygnosis dans un précédent Retro and Magic, mais nous avions délibérément décidé de garder certains titres du studio pour plus tard, afin de pouvoir les traiter dans toute leur majesté. L'heure est donc venue pour nous de nous aventurer sur les terres de Karamoun, dans l'ombre de la bête. Dans les années 80, Psygnosis a déjà une solide réputation pour la qualité graphique de ses jeux, avec notamment des hits comme Barbarian ou Obliterator. L'éditeur anglais va continuer sur sa lancée en distribuant en 1989 l'un de ses titres les plus légendaires, Shadow of the Beast. Shadow of the Beast, appelé simplement Beast sur son écran titre, était développé par le studio Reflections Interactive. Il mettait le joueur dans la peau d'Arbron, un être mi-homme mi-bête, esclave de Malmoth, le seigneur bestial. Enlevé par Malmoth dans son enfance, Arbron était autrefois un enfant normal avant d'être corrompu et défiguré, faisant de lui un monstre au look vraiment peu ragoûtant. Un jour, Arbron assiste à l'exécution d'un homme, en qui il reconnaît son père. Cette vision réveille en lui les souvenirs de son humanité passée, et lui donne la force de se libérer de ses chaînes pour combattre Malmoth et ses séides. Le jeu prend la forme d'un mélange de plateformes et de beat'em all. Arbron peut s'accroupir, sauter, donner des coups de poing ou des coups de pied. Les ennemis plus étranges les uns que les autres pullulent et requièrent pour être éliminés un timing sans faille. Le monde a une structure ouverte un peu à la manière d'un Metroid. Le joueur n'a que 12 points de vie, aucun continu et les items redonnant de la vie sont très bien cachés. Cela a donné à Shadow of the Beast la réputation d'être l'un des jeux les plus difficiles de tous les temps et c'est particulièrement vrai pour la version sortie sur Genesis, la Mega Drive nord-américaine. En effet, la vitesse du jeu avait été accélérée pour correspondre au taux de rafraîchissement 60 Hz, rendant le jeu quasiment impossible à terminer. Outre sa difficulté, le jeu a acquis un statut culte grâce à sa qualité graphique hallucinante. Il exploitait au maximum les capacités de l'Amiga pour proposer pas moins de 12 niveaux de scrolling parallaxe dans les décors, ainsi qu'une très belle palette de couleurs. Le jeu bénéficiait d'une illustration de couverture dessinée par l'artiste Roger Dean, et surtout d'une sublime bande-son de David Whittaker. Cette musique étrange et atmosphérique confère une ambiance unique aux aventures de la bête. À l'époque de sa sortie, les critiques dithyrambiques reçues par Shadow of the Beast engendrèrent une controverse. Certains trouvaient en effet que le jeu n'était qu'une belle coquille vide, les sublimes graphismes masquant la pauvreté du gameplay. Comme quoi ce débat ne date vraiment pas d'hier. Le jeu connaîtra une version PC Engine un peu différente de la version originale Amiga, notamment sur le plan graphique avec des sprites plus gros et une difficulté générale plus équilibrée. Cette version du jeu inclut également des cinématiques animées et surtout une bande-son en qualité CD. Après avoir vaincu Malmoth, Arbron a pu retrouver une partie de son humanité perdue, et est désormais à la recherche de sa sœur, capturée par un ancien lieutenant de Malmoth, le mage Zelek. Au cours de son périple, Arbron s'alliera avec le dragon Barloom et affrontera le maléfique dragon Ishran. Shadow of the Beast 2 propose une dimension aventure bien plus développée que dans l'épisode précédent, même si Arbron passe toujours le plus clair de son temps à taper sur des monstres. Évidemment, le jeu ne donne aucune indication sur ce qu'il faut récupérer et pourquoi, et plus d'un joueur s'est ainsi retrouvé bloqué à divers moments clés du jeu. À l'époque, il était impossible d'aller chercher une solution sur Internet. Le jeu était un peu moins beau que son prédécesseur, avec notamment moins d'effets de scrolling.
mais restait d'une qualité graphique plus que respectable. La bande-son était cette fois-ci composée par Tim Wright, qui signait une partition très correcte dans l'esprit de celle de l'original. On se rappellera toutefois de la superbe intro du jeu à la mise en scène audacieuse. Les aventures d'Arbron connaissent un ultime épisode en 1992 avec Out of the Shadow. Le héros est désormais redevenu totalement humain, mais doit à nouveau affronter Malmos, pas aussi décédé qu'il l'avait espéré. Le seigneur bestial veut remettre son ancien esclave sous sa coupe. Arbron se met donc en quête de différents artefacts pouvant lui conférer la puissance d'en finir avec Malmos une bonne fois pour toutes, et enfin sortir de l'ombre de la bête. Out of the Shadow abandonnait l'architecture ouverte du deuxième épisode, proposant à la place 4 niveaux différents avant l'affrontement contre Malmos. Le joueur pouvait accomplir les niveaux dans l'ordre de son choix, et ceci mettait moins l'accent sur les combats et davantage sur l'exploration et les puzzles. Il est intéressant de voir comment la série devenait plus cérébrale au fur et à mesure que le héros s'humanisait. C'est un bel exemple d'accord entre le fond et la forme, même si beaucoup de fans se plaignirent de ne plus incarner un homme bête. Ce renouvellement du gameplay et une difficulté enfin revue à la baisse valurent au jeu un très bon accueil critique, mais il passa hélas inaperçu aux yeux du public. En 3 ans, les graphismes de la série Shadow of the Beast n'avaient plus rien d'extraordinaire, et les joueurs avaient déjà reporté leur attention sur d'autres jeux. La série Shadow of the Beast garde une place de choix dans le cœur de nombreux gamers, que ce soit en raison de son univers unique ou de sa difficulté légendaire. Le studio Reflections Interactive, créateur du jeu, existe encore aujourd'hui. On lui doit notamment la série Driver, dont un nouvel épisode est en préparation. Ah, mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, mademoiselle, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous et à vous souhaiter un bon Julien, à vous souhaiter une bonne fin de soirée et puis à vous dire à bientôt, à demain avec Pili, à vous faire plein de bisous et puis tout de suite à réanimer cette pauvre malheureuse, j'y vais de ce pas d'ailleurs. Des bisous, ah, mademoiselle, oh la pauvre.